told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far is shaking for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. Eh, hey, salut les bandits. Voilà. Oh, on est sous le lit. Je suis en train de mettre mon système de chauffage, toujours. Ça fait 3 jours maintenant que j'y suis. Et franchement, bah, j'avance tout doucement, hein, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Et voilà, donc je vous ai montré un petit peu ce que j'avais fait. Vous voyez, j'ai les tuyaux qui arrivent ici. Et il faut que je calcule tout, en fait, parce que là, j'ai mon tuyau d'en bas. Et j'ai mon retour qui va arriver par-dessus. Il fallait bien que je calcule si celui-là, il fallait que je le mette au-dessus ou en bas. Regardez pourquoi. J'ai mon retour qui va arriver ici par-dessus. D'accord? Si en fait, lui, je l'aurais fait venir par-dessus, quand mon tuyau du retour serait venu par-dessous, eh ben, il se serait croisé. Je ne sais pas si c'est si je m'explique bien. Voilà, donc en fait, en gros, c'est ça. Donc là, on a encore le liquide qui va passer par là. Vous voyez, hop, il arrive là-bas, il passe sous le lit, je peux vous dire qu'on va avoir chaud. Il enlève tous les points d'humidité ou de condensation qu'il pourrait y avoir, c'est ça qui est très important. Après, il va descendre ici. Il va aller dans le petit meuble. Il va passer dans les toilettes. Il va passer dans la chambre. Là, il va descendre sous le plancher. Et il va passer par ici. Voilà, il va passer par ici, dans le couloir, pour être camouflé, il va revenir ici, sous la soute, je le fais ressortir. Allez, retour, retour je veux dire. Hop. Salut les bandits, bon une petite vidéo pour vous prévenir que je prépare une petite surprise à Jérém, bon, à toute la famille aussi. Vous avez été nombreux à nous dire qu'on était fatigués et tout, et c'est vrai, on est fatigués, on n'en peut plus, franchement on est à cran, on s'énerve un peu pour un rien et tout, je pense que la fatigue elle y est pour beaucoup. Donc il y a quelques jours j'ai réservé un camping pour une semaine. Donc Jérém n'est pas au courant, on verra s'il est content ou pas. Vous voyez là, j'ai mis ce matin tous mes draps à laver. J'ai fait 2 machines, enfin bref, je me suis préparée pour préparer les valises. Il n'est pas au courant, et ça va, il ne se demande pas ce qui se passe. J'ai préparé déjà toutes les affaires des enfants sans qu'il le voie, parce qu'on part cette nuit, et je vais aller lui annoncer ça. Allez, on y va. Parce qu'il est loin, il est en train de bricoler. Je sais pas comment il va le prendre, il va être deg, parce que pendant une semaine, on ne va pas avancer sur le bus. Je pense que ça va être ça, en fait. Donc, on va aller lui annoncer ça. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je suis en train de... À part décoller, je vais découper le... Tu sais, le truc ici, là. Voilà. Et toi, tu fais quoi? Bah, rien, je... Ouais. Bon, faut que je t'annonce un truc. Tu fais quoi? Tu me fais
peur. On est fatigué, tout le monde nous l'a dit, il faut qu'on se repose. On s'en va cet après-midi. Se reposer. Cette nuit. Cette nuit. Bah cette nuit, en même temps, les nuits, c'est fait pour être pour se reposer. Ouais, mais là, on part pour une semaine. Ah, c'est pas vrai. Bah si, j'ai réservé dans un camping. On part cette nuit. T'es sérieuse, toi? Ouais. Bah, tu me l'as pas dit. Regarde, ça fait longtemps que tu le sais. Bah, que ça tu l'as fait. Une semaine. Ça fait une semaine et puis tu me l'as pas dit. Je voulais pas te le dire parce que je me suis dit, si je lui dis, il va pas vouloir. Du coup, là, t'as pas le choix. On a du boulot aussi, là, quand même. Je sais, mais on a besoin de repos. Du coup, on s'en va cette nuit vers 2-3 heures du matin. J'ai rien à dire. Non, bah non, c'est réservé, payé et tout, donc tu verras. Oh, merde. Donc, on part cette nuit. Ah, t'as pas vu, j'avais fait plein de machines et tout ce matin. Ah, c'est ça, je me disais, il y a du mouvement. Et je m'en doutais un peu, hein, au final. Hein. Je t'ai vu, je te travaillais pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai préparé toutes mes commandes, je me suis couchée, il était quelle heure? Je sais pas, il était 1h, 1h30 cette nuit pendant que toi tu faisais ton montage. Attends, je m'habitue à ça, moi, là, maintenant. J'étais pas dans ma tête, j'avais pas mis ça dans mes plans, moi. Donc là, je te laisse à peu près 3 heures pour finir ton bricolage et de tout ranger le bus, de tout ranger tes outils, tout préparer pour partir. Ah ouais, 3 heures, ça va. Et après, on prépare la voiture et tout, et pour être prêt pour ce soir. Et on part de nuit. Et on part de nuit. Ça, c'est loin? C'est pas très loin de la maison, non, c'est pas très loin. C'est quoi, c'est un hôtel ou... C'est un camping. C'est un camping, j'ai loué une tente meublée. Il y a tout dedans. C'est un camping de naturiste. Non. Me fais pas ce coup-là. Hein. Parce que c'est... Si je vais pas dire c'est pas des vacances, mais c'est pas les vacances auxquelles je me serais peut-être attendu, quoi. Non, non. T'imagines, t'arrives dans un magasin végétarien en camping, naturiste. Et puis le gars, il dit, ici, on a que des légumes. Et là, tu dis, non, je prends des saucisses où il y a à côté des noix. Non, mais tu sais très bien que moi, tout cuit... Ok, moi, bon, ben, ça, parce que moi, j'en connais des naturistes. Se reconnaître. Mec, ils baladent comme ça, les escalopes à l'air, à longueur de journée. Et... Bisous à Fab et Coco. Je t'explique pas, quand ils font un barbecue, t'as intérêt à faire attention quelle saucisse tu piques. Parce que là, t'es mal barré. Donc, restons sérieux. Donc ça te va ou pas? Je sais, pendant une semaine, là, on va rien faire. Là, il y a la caméra, je t'avouerai que je dirais trop rien, mais tu me surprends, mais en même temps, je me dis, il y a tellement de monde qui nous l'ont dit. De quoi tu vas dire quoi derrière la caméra? J'aurais dit, oh, t'es chier, t'aurais pu me dire, on n'a pas le temps de prendre surprise. Des vacances et tout. Ouais, je sais qu'on n'a pas le temps. Mais il y a tellement de monde qui nous ont dit qu'il fallait en prendre, qu'au final, je me dis, En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je l'attendais, quoi. Ça me surprend pas. Je disais tout à l'heure ce que du coup j'ai commencé ma vidéo là-bas. Ouais. J'ai dit qu'on était un peu à cran, qu'on gueulait un peu pour n'importe quoi, que voilà, je veux dire. Ouais, là j'avoue. On est fatigué et on se couche très tard. Et voilà. Puis toi, tu me demandais pourquoi je faisais mes commandes hier, parce que j'avais pas mal de commandes à finir. Ouais, donc on a dû se coucher à 1h30 pendant que comme d'habitude. Pendant que Jérémy faisait son montage, du coup moi j'ai fini mes commandes que j'avais à faire. Avant le départ. Donc voilà, donc la boutique sera fermée pendant une semaine. Donc on s'en va en vacances. Ouais, ça fait longtemps. Hein, ouais, c'est clair. Le mois de janvier. Putain, ça va faire bizarre de partir dans un camping sans notre bus, quoi. Enfin, dans un camping tout court. Bon, après, c'est un petit camping sympa, il y a une petite piscine. Ah ouais, c'est sympa. T'as pris un truc qui nous ressemblait, quoi. Ouais, un truc simple. Donc là, on part pour une semaine. On part cette nuit. Voilà, je suis contente parce que ça va nous faire du bien. Je te coupe. Ouais. On peut faire un chauffe-eau, nos bandits? Ouais, on l'a reçu ce matin. On a reçu le chauffe-eau à 7h50. Trop... Ah, on était vert. Comme on vous a dit, on s'est couché à 1h30, à 1h30. Et là, Jérém, on se réveille en sursaut, me dit « Il y a le livreur !» 7h50. Mais de quoi? Tu rigoles ou quoi? Allumette en train d'attaquer le livreur. Gamora, à côté, elle faisait rien. Allumette, elle était en train de l'attaquer. Et du coup, on c'est a C'est pas grave, Julia, c'est pas grave. Et Julia et Allumette en train d'attaquer le livreur. Elle est en train de lui bouffer son short, à lui sauter dessus pour lui manger son short. C'est pas le gros chien, c'est le petit qui attaque. Enfin, et du coup, bref, je vous le fais voir. Ouais. Enfin bref, on va le voir parce que je l'ai même pas vu, moi. Ah ouais, regarde, tiens. À moi de te faire une surprise, vas-y, va. À toi de me faire une surprise. Ouais. Parce qu'à mon avis, tu vas pas t'attendre à ça. Quoi? Ah bah c'est un pot énorme, mon gars. Ah la vache. Dans une maison, c'est plus petit que ça. Hein. Voilà, le chauffe-eau. il est à l'envers, en fait. Hein. Normalement, il est censé être dans l'autre sens. Vous pouvez le mettre couché ou alors comme un chauffe-eau de maison normale.
Alors la petite particularité, déjà regardez, c'est qu'il a une résistance de 750 watts. C'est comme un chauffe-eau de maison. Ici, vous avez un thermostatique. Vous pouvez régler la chaleur à laquelle vous voulez que l'eau sorte. Ok. Et ensuite, ici, je vais venir brancher le Webasto. Ou alors, vous pouvez brancher un moteur. Mettons, vous savez, refroidissement d'un moteur, d'un bateau. C'est des chauffe-eau qui sont faits pour aller dans les bateaux. Et comme ça, vous chauffez votre chauffe-eau avec l'eau de votre moteur. C'est un serpentin. Hein. L'eau n'est pas mélangée, bien entendu. Hein. C'est un circuit fermé, tout ça. C'est quoi, c'est au moins 30 c'est, j'ai pris le plus gros. Enfin, j'ai pris le plus gros de cette marque-là. Et vous avez vu, c'est Webasto qui fait ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça. Webasto Marine. Putain, c'est un 40 litres. Voilà. Je m'attendais à voir un truc comme dans Flash. Non. Là, j'ai dit, vas-y, il y avait quoi? Il y avait 50 euros d'écart entre le 30 litres ils et puis 40 quoi, litres. Ils ont fait aussi à la mousse projetée, non? Non, parce qu'en fait, l'autocollant, il était dessus. Je dis, attends, moi je l'ai recollé proprement à côté. On va se laver là. Ah bah là, ouais, mais il faudra faire attention hein, parce que ça va dégager. Hein. Ah la classe. Et en même temps, ça va servir aussi un peu de ballon tampon, justement pour le système que de chauffage. Ça va garder de l'eau chaude, c'est ça? Eh bah oui, puis quand lui va refroidir, ta chaudière va refroidir aussi. Et du coup, ça va éviter que la chaudière démarre trop souvent. Ça va faire un peu ballon tampon. J'ai pensé à ça, on verra bien. Pareil, encore une idée. On verra. Hein, c'est tuning, hein, comme je dis toujours. Hein. On verra bien. Voilà. Bon bah alors moi du coup faut que je me manie à tout ranger quoi. Faut que tu ranges, tu t'en fais pas, j'ai fait toutes tes affaires, ta valise est prête. J'ai plus qu'à passer un coup d'aspirateur dans la voiture, je l'ai pas fait parce qu'en fait je me suis dit là il va vraiment se douter de quelque chose. Bon bah ok, je me prépare alors. Donc là je passe l'aspirateur et puis bah après on va se préparer ce soir, on essaie de se coucher un peu tôt pour dormir un petit peu avant de partir. Ça c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Et puis voilà. Voilà, faut acheter des cochonneries pour la route avec des monstres. C'est sûr qu'on va aller en acheter ça, on va acheter des cochonneries. Bon, on est en train de se préparer et on va compacter les affaires parce que, bah, en fait, on n'est pas habitué, moi, à partir juste en 806. On est habitué à partir avec toute notre maison. Et avec 4 enfants, je peux vous dire, il y a du linge. Comme en plus, il faut prendre nos draps, nos couettes et tout. Du coup, on a acheté un petit compacteur. C'est pas pratique, ça va. Ça m'énerve. Et au final, on va tester. On va vous montrer comment on fait. Voilà, c'est tout comme ça. Mets-la à l'intérieur là. Ah. On aurait pu encore en mettre. Hein. Ouais, mais attends, faut voir si ça va vraiment compacter. Tiens, toi l'honneur. Moi l'honneur. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur. C'est tout dur. Avec sa ferme, ouais. C'est Lucie qui a eu l'idée. Ah non, c'est pas moi, c'est si, pas c'est moi. Vrai, c'est non, c'est pas moi. C'est elle. En plus, c'est elle, la menteuse. Oui, j'ai pas le droit de faire. C'est pas que ça, Bon, ça y est, tout le monde est chargé, il reste plus que les chiens à mettre. Et puis, voyez, Jérémy met les derniers trucs, les petits sont attachés. Je vais chercher les chiens. Ça sent mon bateau, ça. Ah bah non, hein. Allez, c'est parti, let's go. 97%, 13 watts. bon, bah on coupe le compteur. Là, on a démarré un peu, on a laissé entre-ouvert toutes les petites fenêtres. Pour être sûr que ça circule un petit peu l'air, et voilà, ça fait bizarre de laisser notre petit bébé. Hein, ça fait, là, c'est bon. Ouais, bah, est-ce que je suis en la lumière. Notre petit bébé. Bon, il est entre de bonnes mains, il y a ma mère qui va le surveiller toute la semaine. Voilà, en coup, et là, on a démarré pour recharger en air, pour fermer les portes et pour pouvoir les verrouiller, parce que sinon, on ne peut pas les verrouiller. Ça, c'est un truc qu'on va faire attention par la suite. On va trouver une astuce. Et aussi, on ferme toutes les soutes. Voilà, on ferme tout. Allez, hop. C'est parti. T'es sexy dans le noir. C'est sexy ça dans le noir. C'est trop bizarre de laisser. Non. Hein, hein. Ouais. Ça fait pas bizarre quoi. Ah, ça y est, il est chargé. Allez hop, on coupe. On ferme tout. T'as pris les clés, chouchou? Maintenant, les clés sont sur le contact. Allez hop, en route.
On est vraiment des petits slips, nous. On a roulé quoi? On a roulé quoi, 2 heures? Et je suis déjà mort. Moi, puis moi, dès que je vois le moindre signe de fatigue, je m'arrête direct. Je lutte rarement. Vous avez vu avec moi, je dors? Je fais trop bien, là, Charlotte aux fraises. Nos oreillers sont derrière, puis les petits ont laissé celui-là traîner, du coup je leur ai piqué. N'empêche qu'à des fois, peut-être collé à moi, t'es collé à Charlotte aux fraises. Je suis toujours avec une Charlotte. Donc bon, on fait une ou deux heures. On va se réveiller demain, il va être 10h. Notre surprise, elle va être foirée, parce que je vous le rappelle, on va faire une petite surprise. Someone try to hold you down. Just forget about it now. Follow your passion, follow your dreams, even if it flows upstream. Salut, salut. Salut, salut. On a fait 2 petites pauses et là, on s'est arrêté près d'un pont romain. En fait, il y avait juste une aire de repos, vous savez, sur la route de Bordeaux, là, la route où il y a tous les camions et tout, il n'y a rien pour s'arrêter. On s'est arrêté sur une aire, c'était dégueulasse et tout. Du coup, j'ai trouvé ça à 11 km, oh, ça fait un petit peu de route, mais bon, je trouvais ça sympa, le petit pont romain. Et voilà, donc on aura fait 2 pauses et il nous reste quasiment 2 heures à rouler, c'est nickel. Hein? Ça va, ça a été la route? Oui. T'as envie de faire quoi là? Manger. Je le savais qu'elle avait envie de manger les cochonneries qu'on a achetées. On va voir l'eau. C'est un pont romain. On oui. va voir oui. Allez. Allez. Les enfants? Quoi? J'ai retrouvé un cornard. Non. Si? Là-bas, venez voir. Oui. Bah ouais, mais là, apparemment, il est sorti. En été. Donc c'est un truc encore plus rare. Je vais m'approcher tout doucement. Attention, je me dépêche, je zoome pour que vous puissiez le voir avant qu'il se remette en terre. Vous voyez ? Allez, baisse-moi cette musique de brin. Bon, il nous reste 2 minutes. Là, on va arriver sur la grande route, parce qu'ils sont positionnés sur la grande route. Je suis tout excité. Ouais, et on est assez excité et ça va être trop bien. On va s'arrêter pour se mettre en place. Ouais, hein. Pour expliquer à Théo comment faire, comment se mettre. Parce que ça va être lui le cameraman. Donc ouais. Si c'est mal filmé, il faudra vous arranger avec lui. Et puis lui, il rigole pas, je peux vous dire. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se prépare. Ça y est, on arrive, on va aller le voir. Je suis tout excité comme une petite pêche. When you call me.
Pour faire réparer une télé ici, il n'y a personne. C'est quoi le problème? Bonjour! Bonjour! Oh la vache! La papy, je vais ça va? Surprise! Papy! Je suis presque je suis tombé cardiaque! Vas-y, on va faire les 50. Ah bah oui, là! Coucou Jess! On a trouvé du premier coup. Grave. Alors, wow, le bar rétractable et tout. C'est nous. En chair et en os. Ça va? Salut, en forme. Ça va? Bonjour. T'as vu la surprise, hein? Bon ben voilà, ça y est, on est posé dans une petite balancelle. On squatte leur balancelle. Ah bon, on est trop bien. Ça y fait ses clients de temps en temps et nous on est là à côté. Et il est encore sous choc en fait. Il réalise pas. Et... Il nous a fait visiter tout ça, mais on voit bien qu'il est pas comme d'habitude. C'est trop drôle. Hein? Et Pascal, elle est pas encore arrivée, on attend. Ça va être la deuxième surprise. On est bien ici, on est au calme. Hein? C'est super calme. Ouais. Ah ouais, ça fait vraiment quelque chose de propre. Hein? Mmh. Cache-toi, là. Elle nous a pas vu. Elle nous a pas vu. Bon, et bien voilà, on visite Bergerac après avoir fait une grosse sieste, parce que moi j'étais claqué, bah Charlotte pareil, et on visite là la vieille ville. C'est vraiment mignon comme tout, hein. Regardez les maisons, comment elles sont jolies. C'est à Colombages, on dit, c'est ça? Franchement, c'est chouette. Et là, vous avez la... Tout à l'heure, en photo, vous avez vu la statue de Cyrano de Bergerac, et là, apparemment, celle-là, c'est la vraie, qui est là depuis toujours. Bon, un petit peu blanchi, mais voilà. C'est joli, hein. On va aller se balader au bord de l'eau. Bien voilà, on a visité Bergerac. C'est sympa. Ouais, c'est chouette. Voilà.
Et bah, j'avoue, moi je suis un petit peu fatigué. Toi aussi, chouchou, on va faire une bonne nuit, ça va faire du bien. Et voilà, ça vous a fait plaisir cette petite surprise? Ah oui. J'aimerais bien tous les week-ends comme ça. Ouais, quand on peut, on le fait. Hein, voilà. Vous étiez plus ou moins sur la route, on a fait vraiment un tout petit détour obligé. Ouais. Vous nous avez fait énormément plaisir, fallait qu'on vous retourne l'appareil. C'est gentil. Ah, ouais. Voilà. Sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. Nous, on va finir notre petite soirée tranquille avec nos petits amis. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain pour le live. Un petit barbecue. Mettez les petits pouces. Abonnez-vous. Bonne soirée. Gros bisous. À dimanche pour le live. Ciao. Bye bye.